C'est avec même plaisir nous rentrer la Kaounaka 2e édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques temps principales informations qui pourra le dominer. Actualité à président Haïs et la République, la Ronald Larèche fait connaître suite à correspondance. Président provisoire Yuslem Priver, voyé par le Sénat sous désignation. Un nouveau premier ministre, il déjà chit à parler à co-présentant deux blocs qui n'ont grand quoi pour permettre une position commune qui dégageait entre deux groupes sénatoriaux. Alors que député qui fait partie du bloc majoritaire dans la chambre Basla parmi les députés Delma Garibodo, député Thomas Siklaconi, Célestin fait connaître, il a prêté accroché à trois derniers noms qui étaient choisis dans le cadre de la rencontre qui était gagnée entre président provisoire Yuslem Priver et Palma Haïtien sous choix premier ministre. Institut mobile éducation démocratique contesté, choix Jean-Simon Saint-Hubert pour aller représenter l'organisation Droit Mounio dans KEPA, un choix qui, selon responsable immédiat, pas gagné pour à quelle élection qui était organisée pour désirer représentant dans quatre formations prochain conseil électoral. Ensemble, nous avons déraciné la tuberculose sous thème sa ministère de Santé publique avec population commémorée Journée mondiale de tuberculose qui prévoit pour 24 mars 2016, la cérémonie s'est déroulée en présence représentant plusieurs institutions qui ont évolué dans le domaine santé en Haïti. Dans le pays, l'autre bord de l'eau, il y a une trentaine de monde mourir, plusieurs centaines d'autres blessés. C'est bilan divers attentats dans la ville de Bruxelles, pays Belgique, bien bonnet. Journée mardi 22 mars 2016, là, organisation État islamique tenta laisser Kweseli qui est à hauteur série attaque Sayo. D'abord, qui frappait à l'aéroport Bruxelles et puis station métro Mabekla qui trouvait l'amitant villa. En solidarité avec victimes et autorités belges décrété 3 journées de national. Alors que le président américain Barack Obama a mis fin à une visite historique sous territoire cubain, bon côté pâle, pas caché indignation pendant les condamnés actes terroristes salauds. Allô chérie, ok. Excès la cheville, excès acte de mariage nous entoure chérie. Papa. Oh, t'as vu du sang, Oh, Mathias. Pas cela. Non, madame, nous voulons juste porter presse mal fait pièce timonio. On va brancher Mathias. Premièrement, où sa pantalon? Oh! Mathias, une transfert changer bagaille. Ou capable de n'importe une transfert déposer demande pour archive nationale. Oui, mais quand on m'a vu une bureau une transfert. Mathias, tout côté gay moun gay une transfert, apprendre ça, sorte. Et puis c'est extrait d'archive, extrait acte de divorce, extrait acte de mariage, acte une transfert. On joue, mais avec du chaudou. Allô mami. Allô titine. Ou qu'est-ce que la marché a? Oui, je suis presque fini, oui. Je suis venu tout à l'heure comme ça. Pourquoi tu ne peux pas faire un petit live pour moi un petit citron? Mami, je ne sais pas bien assez comme non. Faut me tourner la caille pour me faire un petit cob après ça m'a tourné venir acheter le goût, mami. Non, 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 non. Pas inquiète, chérie. Et quand tu es là, je vais voir le cougnat sur le téléphone pour. Ou lié à mon cash, ou qu'à voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou à un nid faire un compte mon cash sur téléphone Digicel ou et puis même côté à téléphone dans vin boussou. Et puis si vous voulez tout, ou qu'à passer caillon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou à qui ont 4 d'identité. Bain numéro téléphone ou à quantité l'argent ou voulez aller sous compte mon cash ou. En nid faire étoile 202 dièse ou soit relé dans 202 sous Digicel pour qu'à voyer l'argent bain mon ou voulez, les ou voulez n'importe côté. Plus facile, plus rapide. Mon cash, moyen plus pratique pour voyer à recevoir l'argent. Président Haïs et la République, la Ronald Larèche, fait connaître que ta correspondance, président provisoire Yuslem Priver, voyez, bah, Sénat sous désignation du nouveau premier ministre. Les déjà chita parlé à co-présentant deux blocs qui n'ont grand quoi pour permettre une position commune qui dégageait entre deux groupes sénatoriaux sous nouveau personnalité qui t'a doué, vice-chef gouvernement. Sénateur Ronald Larèche, mandé pour président Priver, dégager un large consensus entre partis politiques qui représentaient non parlement pour le capable rivé, mettez un premier ministre dans le pays. Ronald Larèche, c'est président haïtien, qui t'a porté plus de détails dans le micro. Collaborateur nous Jean Sony Le Maï. Et comme nous faisons recevoir un document, normalement nous déjà fait ça, nous consulter les présidents des deux blocs au niveau du Sénat de la République pour nous prendre un avis par eux, parce qu'on connaît le Sénat lui-même qui est des blocs politiques.
et ça avec avis tout président bloc politique ça nous même nous parle bail président consultation par nous au niveau du sénat et avis observé sénateur et avis par nous nous pour qu'à dévoiler la presse bloc et nous pour qu'à capable dévoiler bail la presse et avis par nous sauf que nous connaît président bloc yo gain président bloc et groupe 9 là c'est sénateur au nom du Dieu et président et groupe 13 là c'est sénateur et Nenel Kassi. Et ces deux présidents, ça, on nous rencontrer et nous consulter ensemble avec eux. Après ça, immédiatement, nous consulter avec les deux blocs. Parce que là, c'est dans lui-même, il y a une position. Et normalement, la rencontre est supposée faire le matin à 10h30. Et nous sommes supposés rencontrer le président à 10h30, mais malheureusement, il faut que nous rencontrer les présidents des blocs politiques d'abord, avant même nous être capables de rencontrer le président. Et normalement, nous prenons consultation avec le président, les présidents des deux blocs politiques. Il nous passait après consultation, ça nous en mesure pour le petit président, voilà donc la position du Sénat. Et il y a une bonne mission, il a exprimé la position par eux. Et je ne vais pas révéler ça que je dis sans que moi je puisse rencontrer avec le président de la République. Là. Sauf que si nous nous baillons les présidents du bloc, le sénateur Nenel Kassi, le sénateur au nom de lui, c'est eux-mêmes qui sont président des blocs politiques au niveau du Sénat. Normalement, nous ne pouvons pas. Nous n'avons pas un bloc minoritaire ni un bloc majoritaire. Nous avons un groupe 9 et un groupe 13 sénateurs. Et nous n'avons pas utilisé le terme ça, un groupe. Non, nous disons un groupe 9, un groupe 13. Et nous n'avons pas ni un groupe majoritaire. Ça fait ça, c'est parce que nous n'avons pas un groupe qui a une majorité fonctionnelle de 16 sénateurs qui sont capables de faire ça. C'est un groupe qui compose l'autre pour nous avoir une majorité fonctionnelle au niveau du Sénat. Si nous avons un groupe qui a 16, là, nous avons un groupe majoritaire. Bon côté paillot, divers députés qui font partie bloc majoritaire dans la chambre basse là, parmi eux député Delma Garibodo, député Thomas Ciclaroni Célestin fait qu'on est apprêté à cocher avec trois derniers noms qui étaient choisis dans quatre dernières rencontres qui étaient gagnées entre président provisoire Jocelyn Privert et parlement haïtien sous choix premier ministre. N'a pas rappelé trois derniers noms, ça c'était Madame Miklande Hipponite Maniga, Éric Pierre avec Edgar Leblanc. N'a pas invité autant de yon après l'autre député Delma Garibodo avec député Thomas Ciclaroni Célestin. N'a micro radio télé éclair. Ensemble, je te dis la vérité, dans trois noms, nous avons choisi pour une fois. Qui c'est M. Éric Pierre, qui c'est M. Edgar Leblanc et Madame Miklande Maniga. Étant donné les discussions pas finies, nous avons rendez-vous dans le palais national avec les mêmes discussions à 1h pour nous faire prendre sur trois dans ça. Mesdames, regardez le comportement de M. Privé, moi, il y a un plus penchant pour Edgar Leblanc ou bien Mme Maniga. Il est arrivé comme premier ministre parce qu'il faut que nous formions tout le monde pour. Qui cap fait consensus là, vraiment vrai, et qui cap reflecter la réalité de la rue. Et nous mettons d'accord. Et moi, je dis à si M. Privé arrive là comme président provisoire, nous sommes très d'accord avec lui parce que nous avons dit nous n'avons pas besoin d'invitants parmi trois mouns à eux. En trois mouns à eux, il y a huit mouns. Nous avons choisi trois eux. Qu'importe qu'on choisit, nous prêts pour aller avec lui comme premier ministre pour adopter le pays dans le nouveau gouvernement. Étant donné que moi-même, on est dans le palais national, les présidents prennent un engagement, les arrivent à coller plus au changer. Nous tout informer la presse et nous tout informer le public en général. Raconte-nous après-midi, c'est sur trois annonces à eux, les basés, pour adopter PRD dans le nouveau gouvernement. Merci. Il y a un pile d'échanges que nous avons avec le président Rivière. Le bloc majoritaire à la Chambre basse et le bloc minoritaire au Sénat. Nous nous sommes entendus pour que le président ait choisi. Il y a une autre annonce à eux. Donc tout le monde connaît, le président a choisi de faire l'autre route. Je n'ai pas choisi le président. Ça fait longtemps que nous avons quitté la dictature, nous sommes dans la démocratie. Le temps où la volonté du président était la volonté du peuple, où la volonté du président était la volonté du Parlement, ce temps-là est révolu. Et au nom du principe de la séparation des pouvoirs, qui garantit par la Constitution et ses articles 60 et 61, aucun pouvoir n'a le droit d'empiéter ce pouvoir l'autre. Donc, le président Privé a été choisi et nommé M. Fujian comme premier ministre. Nous avons considéré ça comme une provocation. Nous avons considéré ça comme une violation flagrante de l'accord du 7 février. Aujourd'hui, nous pensons que le président a ressaisi.
président était trois noms dans main, c'est là nous était nom monsieur Edgar Leblanc, de madame Mylène Maniga, monsieur Eric Pierre. Donc en pile consultation a fait, bien que au niveau du bloc majoritaire à la chambre basse, nous continuons à supporter monsieur Edgar Leblanc. Cet après-midi, nous irons au Palais national pour continuer avec les négociations. Au côté par le sénateur Clati Bonit dans Yuri la Tortue qui c'est membre groupe minoritaire dans Sénat République là prend même direction à groupe majoritaire chambre basse là pendant le fait qu'on l'a prêté à coucher à choix trois derniers noms qui étaient retenus dans dernier rencontre qui était gagné entre président provisoire Jocelyn Privert avec Palma haïtien dans cadre application accord 6 février là Yuri la Tortue c'est sénateur Clati Bonit qui était dans micro collaborateur nous Jean Sony Le Maille. Le groupe majoritaire à la Chambre des députés et le groupe minoritaire au Sénat, ces deux groupes qui ont bataillé sur question de principe. Accord 5 février a demandé pour faire consensus. La Constitution dit qu'il y a une majorité, il faut consulter le président de Chambio et il faut même faire consultation avec le bloc qui est représenté. La consultation qui est faite là a abouti à 4 noms et il y a un nom qui est en irritant, M. Fridjian. Nous avons dit, président, ça a été choisi. Et nous avons dit, président, il n'y a pas de passé. Mais, parmi les soins, nous n'avons pas de problème avec. Et je dis à ouais, deux groupes, c'est pas une question de monde que tu as gagné. Dans nos critères, nous quittons le président libre pour choisir ou non, de façon à ce que nous avons avancé. Et là encore, c'est une question de principe. Et c'est dans le principe ça que deux groupes ça voulaient continuer à évoluer. Donc, nous passons. Ceci est un premier point d'accord. Mon deuxième partie de, qui va le faire avec l'autre bloc, nous croyons que j'ai volonté d'exprimer par membres de deux blocs que nous voulons aller pour que le plus vite possible, nous doter le pays à un gouvernement de consensus. Mais parallèlement, nous avons mis notre contact avec la PSS. Écoutez, le président dit nous que s'il était ouvert les négociations, ça va prendre encore une semaine. Il va appeler du temps, il va fermer notre droit noyau. Et nous-mêmes, par principe, puisque nous avons dit que nous prenons notre droit noyau, nous n'avons pas de problème d'avancer. Je crois que ceci est un point d'accord. L'autre information, toute forme doit compter pour un autre mouvement femme, c'est sous thème ça. Environ 57 organisations femmes organisées journée mardi 22 mars 2016 là. Yon forum sous bataille avec mouvement femme haïtienne. Yon a occasion dirigeant femme actif yo, Magdala Michel et Jean-Pierre critiqué. Façon le fait qu'on est sofa utilisé pour choisir représentant organisation FAMIO Nanka et PA. Magdala Michel Jean-Pierre qui trace histoire lutte FAMIO menée depuis plus passé 30 l'année mandé. Même sofa pour réorganiser l'élection pour choisir un nouveau représentant secteur FAMLA dans quatre formations prochain KEPA. Magdala Michel Jean-Pierre, c'est responsable mouvement FAM actif qui quitte dans le micro. Garlins lui avec Markinson registre. Je dis, hein? Nous c'est 57 organisations femmes qui mettent nous ensemble pour nous dire sofa, je voulais entrer dans le CEP, hein? Nous pas d'accord. Je dis, hein? Nous même 57 organisations ça, yo, nous voulons attirer l'attention du président privé. Parlement qui joue jodi an gen responsabilité pays a nan men yo pou yo remonter remembrer CEPA. Nou wè sofa an dan chanm la kayli li choisi sélectionner yon mam ni pou al nan CEPA. Li traite nou de moun sot de fòm deye pòt. Liban nous pour toute chaille potée. Je ne jodi an, nous même 57 organisations qui regroupent nous dans forum ça. N'a dit président privé, pays a déjà gon crise épileptique qui nan men. Li pa ko gen serviette pour sié retirer bave pour joindre solution avec crise ça. Sofa pa ka vin ajouter crise sous crise ça. C'est ça que fait jodi an. Première phase bataille là, n'a dit sofa, on seul bagage n'a mandé c'est élection. Ça a prend temps pour le prendre. Ça a fait Jean doit fait là, ça a fait dans jour doit fait là. Journée jodi c'est comme si m'da dit ou te gon caille.
de l'eau passe la donne, gen la boue faut qu'on propre. Si de l'eau passe la donne, on pas ca retourner entrer dans même la boue encore. Donc SOFA, c'est pas seulement lui même qui existe comme organisation femme. C'est vrai, nous comprenons ni gen budget l'état dans mail parce que lui dit lui c'est organisation d'utilité publique. Mais SOFA comme ça c'est dans la cas où gérer. C'est nous même qui dans la rue, c'est nous même qui dans section communale, c'est nous même qui dans marché, c'est nous même qui dans tout coin qui travaille avec 52% qui pi mal là. Et c'est nous même tout qui t'ai ramassé caractère nous, qui t'ai ramassé bien nous, qui t'ai ramassé économie famille nous dit allant élection pour nous te bon gagoté. Journée jodi an, bagay yo pa ka fait même genre. L'élection pral fait. Yo di nous yo pa konn ki langue nous parler parce que nous choisi candidat. C'est eux même qui parlent toute langue qui est sous terre. Joune jodi a nan langue que nous parler à nous même n'a dit SOFA. Nous camper en face li pour élection refaite et puis nous pour nous gon femme qui sorti qui représente secteur correctement. Votre information, Institut Mobile Éducation Démocratique contesté le choix Jean-Simon Saint-Hubert pour le représenter organisation Douamounio dans KEPA, un choix qui, selon responsable immédiat, pas gagné pour la dernière élection qui était organisée pour désigner représentant yo dans formation prochain KEPA. Quelques Julien qui critiquait comportement dirigeant POHDH l'a mandé pour gain bonne disposition qui prend le secteur Douamounio pour faire respecter les résultats de l'élection qui était organisé pour vos représentants dans KEPA. Ketli Julien, c'est coordonnatrice Institut Mobile Éducation Démocratique qui était dans le micro. Gerlin Sui avec Markinson Registre. L'arrivée de M. Maxime Rolly comme coordonnateur du pas recevoir, il dit qu'il a retourné le lendemain. Le lendemain, c'est dans la presse, vous entendez que M. Maxime Rolly, qui dit que c'est coordonnateur POADH que lié, comme militant de Ramoun, que lui dit lié, que nous avons ça, que c'est commencé à dire, et pas de élection, que c'était au pile organisation qui te prend POADH en otage. Et pas oublier M. Barou, liste que lui-même a été invité, organisation ça. Et c'est même organisation ça qui a participé à l'élection, qui a mis Jacques Seyus, qui a représenté le secteur de Ramoun, qui était là tout. Deuxième, nous commençons. L'on commence à dire que yo te boule machine en dan et plateforme. C'est ça qui fait que nous-mêmes, nous pral constitué avocat. Nous pouvons regarder qui machine qui te boule. Yo dit que te gon mambimet qui te frappe moun. Yo dit tout te genye mu qui krasé. C'est ça, Monsieur Maxime Rony dit. Même Monsieur Maxime Rony, ça, qui rencontré avec nous dans le cadre d'une réunion, li dit tout ça, il te dit yo, il pat la, c'est dit yo te dit. Ça beaucoup plus grave encore. Nous-mêmes, ça n'a défend principe. C'est pour ça que fait que pour nous dire que les organisations qui dit qu'ap défend droit moun et qui connent là tout qu'ap observer élection si que en dans la caille parler li fait une élection avec 28 moun que yo rivé yo pas même capable dit élection ça bon ou bien pas bon yo rejeté au lieu que si yo ta vle dit pour yo ta yo te ka refèl ou bien qui ça yo fait yo relé yon jury pa yo ça c'est BCEN pa yo qui constitué de trois moun yon même qui sorti nan CSPJ, M. Elibert, yo pren M. Le Temps, lui-même qui gen frèl, qui candidat à la députation, m'pa kon kid, et yo pren yo l'autre moun qui se Uramel, Dr. Majori Joseph, qui se même kid, et yo dit que c'est yo même pour qui vin faire jury pour yo, et yo choisi candidat par yo, qui se M. Jean-Simon Saint-Hubert, qui te porte-parole, candidat à la présidence MOPOD. Dossier environnement, l'eau et travail. C'est sous thème ça, direction nationale de l'eau potable et assainissement commémoré journée mardi 22 mars 2016. La journée mondiale de l'eau, diverses activités, tant que conférences, débats, installations matérielles pour traiter l'eau. Démarqué journée ça, dans l'intervention du directeur office régional de l'eau potable et assainissement, ingénieur Raphaël Osti, présenté réalisation avec perspective d'une épargne privée offrir plus bon service à la population dans sa qui gagne rapport à la distribution de l'eau. Ingénieur Raphaël Osti, t'as porté plus précision dans le micro, car l'insulé avec Mark Henson registre. C'est 22 mars, et depuis plus de 24 ans, c'est une journée que les Nations Unies déclarent, c'est une journée mondiale de l'eau.
Donc étant donné que c'est la DINEPA qui occupe l'affaire de l'eau dans le pays d'Haïti, donc nous tenons à ce que journée ça nous démarque d'une pierre blanche, c'est-à-dire que pour nous expliquer mon problématique qui est dans l'eau aussi et qui est fort que nous avons fait dans la DINEPA pour arriver à alimenter mon eau en eau, que c'est job pas nous, que la loi pas nous, que pour nous d'avoir fait. Et vous remarquez que hier, nous avons une ouverture journée ouverte par le directeur général à Kinam, hôtel Pétionville. Je dis à dire que la région ouest, dire que nous avons un CDRM BPA qui saute à l'aéroport, qui est censé permettre que nous avons deux journées de sensibilisation d'abord avec les partenaires qui travaillent avec nous dans la région ouest. Là. Et nous avons aussi que collègues de travail, nous, c'est-à-dire que les TEPAC, les techniciens, nous qui travaillent avec nous dans la section communale. Yo. Et demain, si vous avez rencontré les chefs d'agence, les directeurs de CTE, les directeurs de CTE, que ce soit à Port-au-Prince et en province, pour nous sensibiliser aux problématiques de loi et aussi chercher avec une solution adéquate pour nous permettre d'améliorer une grande amélioration dans la distribution de l'eau dans la région ouest. Bon, c'est pour me demander ça que la réalisation d'INEPA par rapport à la problématique de l'eau est très mince en termes de travail pour qui t'a fait. Mais là, que l'on remarque que et nous avons eu 24 postes qui sont censés qui sont dit qu'il n'y a que comment monsieur saboté la voie. Donc ça c'est et actuellement notre travail pour nous c'est reprendre et pour nous réalimenter secteur par aliment qui sont censés dépendre de tuyau ça pour alimenter. Bon, côté par le directeur service assainissement d'INEPA, Edwidge Petit, présenté un tableau sombre sur la situation environnementale pays d'Haïti pendant le lancé. Il appelle les autorités pour prendre bon en disposition pour faciliter au privé toucher toute couche dans ce qui est dans sa qui gagne un poids à qualité service et à offrir population. Edwidge Petit, c'est directrice assainissement d'INEPA, qui était dans le micro, Garlin Sui avec Markinson Régis. C'est un secteur qui, pour d'INEPA, qui a un rapport avec de l'eau sale, excréta, matière fécale, ça veut dire de l'eau baignée, lessive et vaisselle. On a célébré tous les deux, on a fait des réflexions sur tous les deux, mais on a songé que c'est dans le cadre de tout thème journée aujourd'hui, que c'est thème emploi. Ça veut dire que je viens réflexion aussi, qui qualité métier que secteur ça bail qui quantité qui qualité que le bail et comment métier comment job yo a développé en dedans pour nous aujourd'hui c'est des questions que nous pas poser souvent et c'est ça que fait m'ta remet on va me répondre question là pour me dire non que tout le monde qui l'a pour question assainissement tout le monde qui l'entoure les gouyo cap nettoyer tout le monde qui occupé le canal yo qui mène de l'eau dans la mer, toute baya kouyo, toute vie dangereuse. Aujourd'hui, c'est jour pour nous réfléchir sur le travail, sur comment nous travaillons, quelle qualité nous avons pour atteindre l'objectif millénaire développement en 2015. C'était défi pour tout le pays dans le monde. Je n'ai pas déjà en 2010 prévoir que nous allons rapprocher nous de l'objectif, mais nous pas arrivé à atteindre. En réalité, nous pas arrivé à atteindre ni pour de l'eau ni pour l'assainissement. Je vous dis, vous mettez un autre objectif pour nous. L'objectif que vous mettez pour nous, c'est qu'en 2030, tout le monde sur la terre doit avoir accès à l'eau. Tout le monde sur la terre doit avoir un service d'assainissement qui a fonctionné et qui marche bien, donc doit avoir accès à l'assainissement. Eh bien, nous-mêmes, nous sommes sur route là, nous avons gardé sous le vent, nous avons avancé vers le futur. Donc, on a dit que nous pas dans bon point parce que bilan nous cabaille là c'est que infrastructure nous pas arrivé suivre développement ville nous dans ville yo journée aujourd'hui pour quantité monde nous dans ville yo nous pas qu'on assez investissement de départ et n'a font appel directement à l'état pour ça nous besoin investissement pour renouveler tio réseau que nous te gain avant yo mais tout pour étendre comme ville a grandi pour étendre réseau yo à plus monde donc nous gon problème investissement dans mitan ville yo dans dehors loin yo nous gon problème monde qui a marché en pile de temps pour y aller joindre une source une rivière qui pas même gain qualité nous gain problème qualité a mais nous gain problème tout quantité a quantité de l'eau a diminué et ça c'est pas service c'est depuis côté de l'eau a sorti ça veut dire depuis dans source là quantité de l'eau a diminué et l'eau va diminuer quantité de l'eau que nous gagnons nous polluons
nous vivons beaucoup de yo, nous faisons la trine tout près yo, nous avons fait fatra dans la riboyo. Donc, le bilan nous avons aujourd'hui, c'est un bilan qui m'a dit nous pour nous réfléchir en pile sur qui a venu aux ressources la gagne et qui a venu service la gagne par rapport à l'investissement que nous gagnons qui pas suffit. Dossier santé ensemble n'a pas déraciné tuberculose. C'est sous thème ça, ministère de santé publique, avec population commémorée journée mondiale tuberculose, qui prévoit pour 24 mars qu'à Vinla, cérémonie ça a été déroulée en présence représentant plusieurs institutions qui ont évolué dans le domaine de santé en Haïti. Dans le discours circonstance des ministres de santé publique, avec population, Dr Florence Guillaume Duperval, dressé un tableau sombre sur l'évolution maladie tuberculose là dans le monde pendant le rappeler. Différents travails ministériels déjà réalisés pour couper tuberculose dans le pays. Florence Guillaume Duperval, c'est ministre de santé publique avec population qui était dans le micro Radio Télé Éclair.
dans le pays de l'autre bord de l'eau, une trentaine de monde mourir, plusieurs centaines d'autres blessés, c'est bilan divers attentats qui fait dans la ville Bruxelles, pays Belgique, bien bonnet. Journée, mardi 22 mars 2016, là, organisation État islamique, là, t'as laissé quoi, c'est lui qui t'a à la hauteur série attentat Sayo d'abord qui frappait à l'aéroport Bruxelles et puis station métro Mabekla qui trouvait la mi-temps ville là. En solidarité avec victimes et autorités belges, ont décrété 3 journées deuil national. Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. 9h11, une énorme explosion vient de retentir. Dans l'obscurité, ces passagers évacuent le métro. Ils sont entre les stations voisines d'Arlois et Malbec, au cœur du quartier européen de Bruxelles. En état de choc, cette femme était dans le métro à Malbec lors de l'explosion. Témoin, elle raconte une scène d'horreur. On a vu juste une explosion, on a eu un gros flash de lumière et tout le métro qui s'est explosé. Les fenêtres sont tombées dessus, les portes sont ouvertes. Et là, tout le monde s'est jeté sur le sol. Pour l'heure, pas de bilan définitif. Plusieurs dizaines de blessés recevaient des soins d'urgence à même le sol, aux abords de la station Malbec. Il y a des victimes, il y a des blessés, il y a des personnes décédées, mais je ne connais pas le nombre exact. Le service d'assistance aux victimes est également occupé. Et donc, dans le courant de la journée, on va tenter de prévenir les familles. Après avoir été interrompu une bonne partie de la journée, certaines lignes de transport en commun redémarrent. Depuis 16 heures, les grandes gares de la capitale belge rouvrent progressivement pour permettre aux Bruxellois de rentrer chez eux. Réaction pas suspendre tomber, bon côté classe politique et européenne non, après ces attentats Belgique, journée mardi 22 mars 2016 là, président américain Barack Obama cap mette fin à visite historique li dans pays Cuba, bon côté parle pas caché indignation le, pendant les condamnés actes terroristes ça yo, Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. We stand with you today and les larmes de Federica Mogherini. Loin de Bruxelles, à Amman en Jordanie, la chef de la diplomatie de l'Union européenne vient de condamner les attentats en Belgique. Elle ne peut cacher son émotion. En Europe, les pays voisins de la Belgique renforcent la sécurité, en particulier dans les gares, comme ici aux Pays-Bas, ou dans les aéroports, comme ici en Allemagne. La possibilité existe que des actions décisives, comme des arrestations, mènent à une intensification de l'activité terroriste. Et en réaction, de nouvelles attaques sont menées. Le ministre allemand de l'Intérieur établit donc un lien possible entre l'arrestation vendredi dernier de Salah Abdeslam et les attaques de ce mardi. À Londres, David Cameron élève lui aussi le niveau de sécurité dans les ports, les aéroports, les gares. Il promet de vaincre les terroristes. Nous devons rester unis et faire tout ce que nous pouvons pour les arrêter et s'assurer que même s'ils attaquent notre style de vie, s'ils nous attaquent à cause de ce que nous sommes, nous ne les laisserons jamais gagner. Des accents guerriers repris par Barack Obama à La Havane, où le président américain s'adressait aux Cubains dans un discours très attendu, un discours qui a commencé avec cet aparté sur la Belgique. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour aider nos alliés et nos amis belges. Nous pouvons vaincre et nous vaincrons ceux qui menacent la liberté et la sécurité des peuples autour du monde. Autre réaction à Madrid, une minute de silence a été observée sur le parvis de l'hôtel de ville en présence de la maire Manuela Carmena et du leader de Podemos, Pablo Iglesias. Madrid, qui avait été touchée par des attentats à la bombe dans des trains de banlieue il y a 12 ans, presque jour pour jour. Voilà, c'est là nous mettez fin à la deuxième sortie journal nous pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé aux quelques principales informations qui tapent dominer. Actualité, hein? Président haïtien de la République, la Ronald Larèche, fait connaître suite à correspondance, président provisoire Yoselem Privert, voyé par le Sénat, sous désignation, un nouveau premier ministre, il déjà chit à parler à co-présentant deux blocs qui n'ont grand quoi pour permettre une position commune qui dégageait entre deux groupes sénatoriaux, alors que député qui fait partie du bloc majoritaire dans la chambre Basla parmi les députés Delma Garibodo, député Thomas Ciclaconi, Célestin fait connaître. Il a prêté accroché à 3 derniers noms qui étaient choisis dans le cadre de la dernière rencontre qui était gagnée entre président provisoire Yoselem Privert et Palma haïtien sous choix premier ministre. Institut Mobile Éducation Démocratique contesté choix Jean-Simon Saint-Hubert pour aller représenter
Organisation doit mounir dans KEP a un choix qui selon responsable immédiat pas gagné pour ak élection qui était organisée pour désirer représentant dans quatre formation prochain conseil électoral. Ensemble, n'a déraciné tuberculose sous thème sa ministère santé publique ak population commémoré journée mondiale tuberculose qui prévoit pour 24 mars 2016 là, cérémonie s'est déroulée en présence représentant plusieurs institutions cap évoluer dans le domaine santé en Haïti. Dans le pays, l'autre bord de l'eau, il y a une trentaine de monde mouri, plusieurs centaines d'autres blessés. Ces bilans divers attentats dans la ville de Bruxelles, pays Belgique, bien bonnet, jeudi mardi 22 mars 2016. Là, organisation État islamique tenta de laisser Kweseli qui est à hauteur série attaque Sayo, d'abord qui frappait à l'aéroport Bruxelles et puis station métro Mabekla qui trouvait l'amitant ville là. En solidarité avec victimes, autorité belge décrété 3 journées deuil national, alors que le président américain Barack Obama a mis fin à une visite historique sous territoire cubain, bon côté pâle, pas caché indignation pendant les condamnés aux actes terroristes salauds. Ces principales informations avec diverses autres qui étaient faits essentiels. Deuxième édition Éclair Info pour ce même nom. Bonsoir tout le monde.